deux coups, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, toujours en tournant la manivelle dans ce sens-là. Donc j'ai fait une fois un resurfaçage, donc voilà. Après avoir fait dans un sens, je l'ouvre, je remets du pchit, je le referme et je refais pareil dans l'autre sens. Voilà, on va l'enlever. Bon, c'est chiant en plastique, ça c'est vraiment top. Je sais pas si les nouveaux modèles, sont mieux que ça. Au niveau du plastique, là, c'est pas génial. Donc, hop, on nettoie. Alors, le fait de faire, doucement, ça évite d'avoir trop de traces sur le CD, des traces de resurfaçage. Parce qu'on voit vraiment les CD qui ont été travaillés au Skip Doctor. Ils ont des traces de lumière qui vont dans le sens, radial. Je sais pas si c'est comme ça, mais ça va être radial. Donc là, le CD est redevenu tout doux. On voit encore quelques rayures, donc on va faire des tests. Voilà, si ça marche. Qui sait, seulement un passage, ça suffit. Marche tout de suite beaucoup mieux. Là, j'ai même pas voulu faire plusieurs surfaces. Un seul aura suffi. C'est très bien, ça me va. Donc, moi j'étais vraiment sceptique parce que quand j'ai vu plein d'avis sur internet qui disaient que c'était vraiment pas bien, j'ai pas voulu tenter le coup d'acheter ça au prix fort par peur d'être déçu. Et en fait, trouver pas cher sur une foire à tout, je me suis dit, allez hop, on essaie quand même. J'avais le jeu Jack. C'est Jack and Dexter 2 qui marchait pas, mais je l'avais en double, donc je n'ai pas tenté le diable. J'ai essayé sur mon exemplaire en double qui marchait pas, et puis au bout de trois passages, parce qu'il est vraiment abîmé, ça a marché, et celui-là, la preuve devant vos yeux en un seul resurfaçage, cool, ça marche. On va avancer un peu plus dans le jeu, voir si ça marche plus loin. Souvent c'est les scènes cinématiques qui sont révélatrices de ça parce que ça fait des lags. Non, pas du tout. Les règles stipulent que le monstre de l'arbre est allergique à la minima résistance. Ça va marcher super bien. Donc pour moi, pour l'instant, sur deux jeux que je vais resurfacer, quatre bientôt parce que j'ai pas acheté que des jeux nickel dans mon paradis, mais grâce à lui, ils vont tous être réparés, et moi je dis un grand merci aux fabricants de cet accessoire, parce que quand on voit le coût de revient dans un cash converter pour rénover un CD ou un DVD d'environ 2 à 3 euros la galette, c'est vite amorti ce genre d'accessoire. Surtout que le pchit, il y a quand même de quoi faire quelques CD avec, et même s'il est petit, on doit pouvoir retrouver le même genre de produit sur internet facilement ou directement chez le constructeur, mais puis pour pas grand chose. J'ai pas été voir les prix, mais bon, c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà. Donc, pour couper